Merci d'être venu, malgré cette température un peu chaude quand même, hein, on a souffert. Je crois que j'ai pris un gros soleil, mais bon, on mettra la crème. Écoute, je vais passer la parole en premier à M. Cavery, adjoint au maire. En tout cas, je voulais vous féliciter de cette organisation, de ce concept original et de l'idée que vous avez de réunir vos clients, à la fois pour les fidéliser, qui se connaissent entre eux, qui aient une interaction économique entre eux. C'est une initiative formidable. Quand les entreprises et les clients peuvent se favoriser entre eux, se faire travailler sur un même territoire, garder la richesse sur le territoire, vous avez pris une initiative très intéressante. Alors, je sais qu'ils ont eu des épreuves difficiles, parce que allier le rugby, quand on est golfeur, c'est pas facile. On m'a dit qu'ils avaient tapé dans les balles pendant une heure. Certains ont fait des déchirures, etc. Bravo à tous ceux qui ont participé. Et puis voyons qui a emporté le morceau, parce qu'il y a un boulot là à gagner. Voilà, encore toutes mes félicitations. On a fait le choix de ne pas récompenser tout le monde. On a plutôt misé sur un prix un peu sympa. Je ne sais pas si vous êtes tous au courant, mais le gagnant se verra attribuer un lot pour partir dans le sud du Portugal pour aller jouer au golf. Donc il y a des gagnants, j'espère que ça vous fera plaisir. Et on a prévu de récompenser donc quatre équipes. Pourquoi? Parce que le premier, il s'est vraiment détaché, et les trois autres qui suivent sont exactement ex aequo. Alors, j'appelle le golf du Tumulu. Où sont les golfs du Tumulu? Ils sont là. Il manque Yves, il est là-bas. Oui. Bon, vous montez sur le podium, allez, on fait une petite photo. Ex-aequo. Alors pareil, t'es tout seul? Ah, ben voilà. Super, avec le petit tout. Allez, viens avec nous. Bravo. Allez, félicitations aussi. Bonne humeur. Quelle entreprise? L'entreprise est plutôt le garage Vautier. Monsieur et Madame Vautier, merci pour votre participation. Vous avez été remarquables. Merci à vous. Merci. Et vous demandez qui c'est? Eh bien, je vais appeler l'entreprise Casalas. Merci à vous d'avoir participé. Alors, je vais vous remettre, on en parlera après, il y a des modalités bien sûr. Et l'idée c'est que vous fassiez un petit tour au Portugal. L'Espagne est un peu petite. On va laisser la place. Alors. Avec volontaire. Dis un mot de l'entreprise et surtout je le trophée. Je te le remets. Voilà. Alors, le trophée, on a voulu un trophée un peu particulier qui allie le golf, qui allie le rugby. Alors, on a décidé que ce trophée, comme le bouclier pardon, de Brennus, serait remis en jeu tous les ans. Donc, tu as l'obligation l'année prochaine d'être parmi nous et de le remettre en jeu. Hein, on dit ça, donc pendant un an, c'est pour toi et l'année prochaine, on remettra ça en jeu. Allez. Allez, merci à toi. Je te laisse le micro, parle-nous de ton entreprise. C'est aussi sympa de pouvoir. Je te le marche. Donc, entreprise Casa Charpente, entreprise familiale derrière de Bigorre. Bon, on est fiers d'être venus gagner ici au Tumulus. On joue au golf et aussi au rugby. Donc, c'est la première année qu'on vient. Je ne sais pas si c'était notre première compétition. On reviendra l'année prochaine. Et je vous souhaite une bonne soirée à tous. Le Bigorre Event, c'est lui qui a installé la structure derrière nous. Et je vais te laisser la parole pour que tu annonces le gagnant. Et ça serait sympa aussi que tu nous parles de toi, que tu nous parles de ton business. Et voilà, ça nous fait plaisir aussi de dire à nos amis de venir nous accompagner sur ce genre de manifestation. Donc je te laisse la parole. Alors bonsoir à tous et à toutes. C'est une entreprise de Bigorre Events, comme vous pouvez voir, qui est chargée de développer la vallée du Haut-Adour. Car comme vous savez très bien, la vallée d'Argelès ou la vallée de Selnari
sont très développées par rapport à la nôtre. À partir de Tarbes jusqu'en haut du col du Tourmalet et le pic du Midi, nous avons essayé de développer, faire venir des équipes sportives du top 14 ou de Pro D2 dans notre vallée. Essayer de promouvoir notre vallée, et c'est grâce à vous tous, et en particulier à la MMA, où on a créé également un club à faire, comme vous pouvez voir sur la structure, c'est que des entreprises locales qui nous aident, et c'est grâce à vous tous que l'on peut y arriver. Je remercie MMA de m'avoir invité aujourd'hui, jusqu'aux chanteurs que l'on a, ils sont là, Jean-Claude Viaud et son collègue, qui vont nous animer la soirée après, ils font partie de notre aventure, et le but, comme je vous ai dit, c'est peut-être grâce à vous, à vos entreprises, si un jour vous avez besoin d'animer en fin d'année, soit par un tournoi, soit par des activités sportives, de faire appel à nous. Donc il y avait un petit concours, et moi le gagnant c'est SRL Uber. Tournée, voilà, donc c'est les gagnants, entreprise. Je replace la parole à Serge Jérôme. Je rajouterai que quand même au niveau de tenue vestimentaire, c'est vous qui avez la palme. C'est vous, bravo pour avoir participé. C'est quoi,